Coluche. Oh, monsieur Lagier. Non, pas vous, l'autre là. Switches Bar, le gros. Là. Non, le mec avec le pull bleu là. Bon, tant pis. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais hey, l'uniforme, il est pour beaucoup, hein. Ah si, parce que ma femme me dit toujours t'as signé sans réfléchir. Elle me dit. Et alors? Eh, j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus. En Arthur, on rentre pas comme ça dans la police, hein. Il y a les examens et tout, pas dans des situates. Moi, je suis passé devant un situate, il m'a dit, combien j'ai de doigts? Alors, il y a des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez-la 15 ans. J'ai dit, bon, j'ai dit, pas bizarre. J'aurais pu avoir tout faux. J'ai tout bon. Et remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Et puis c'est bien, l'uniforme, c'est pour draguer. Les gosses. Parce que, moi, parce que quand on... Hein? Bon, un autre exemple alors. Je vois parce que, par exemple, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est vrai, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Hein. Eh ben, j'ai remarqué les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Et clairement, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On ne fait pas pour le plaisir. Hein. Ils nous obligent, hein. Non, puis on fait gaffe, parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux longs, on ne les reconnaît pas, hein. Et puis, hey, dans les manifs, hey, y a les appariteurs. Les appariteurs, c'est les flics en civil qu'on met dans les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, les carreaux, tout ça, puis après on dit que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, hey, déconnez pas, on va se faire piquer. Hey. Hey, on fait gaffe parce que dis donc, tu vois pas le goût quand t'as passé la gueule d'un flic et... Ouais, Chris, une fois, c'est arrivé, on avait tapé sur un flic, ils ont dit que c'était une bavure. Ah, la gueule de la bavure, ouais. Moi, ça m'a passé l'envie de baver, hein. Ah, je bave plus, mais impeccable. Non, parce qu'il y a des gens, ils disent... Oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF au PTT. Oui, mais non. En fait, c'est exagéré. Parce que moi, je vois, je suis pas dans un gros commissariat. Hein, mais je vois déjà, rien que le commissariat que je suis, il y en a au moins... Que je dise pas de bêtises. Il y en a au moins 4 qui boivent pas. Impératif avec les copains, puis du vintal. Mais je veux dire, bah c'est comme dans tous les troupeaux, hein, il peut y avoir des brebis galeuses qui se glissent. Nous, on a Robert, c'est un grand, il est marrant. C'est un troupeau à lui tout seul. Eh, tiens, c'est quand même un métier où on envoie des drôles. L'autre jour, il y a un dignit, il vient pour chercher une carte d'identité. Bon. Alors, Robert, il fait. Parce que Robert, il déconne tout le temps. Hé, hey, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. Après, on s'est marié, on y a cassé la gueule. Oh. Ah non, mais on fait gaffe, on tape avec le plat de la main dans le dos. Comme ça, ici. Ça fait vachement mal, mais ça fait pas trace. Ah non, on n'a pas le droit aux traces. Ah non, déconnez pas avec ça. Hein. Non, non, hé, hey, rigolez pas, là. Non, non. Je m'en fous, je vais prendre des noms, hein. Ne déconnez pas, parce que les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein. Oui. On a dit, pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, les mecs. J'ai plein, hein. Non, mais dans l'ensemble, ils viennent pas, on n'a pas à se plaindre. On se fout la gueule. Alors après, on l'avait attaché avec les menottes à la grille, parce qu'on fait des jeux. Et puis, Robert a été chercher sa tondeuse, parce que Robert a une tondeuse. Mais c'est à lui, hein, c'est pas fourni.
Alors le mec, il est vachement étrouille. Bon, il a pas coupé les cheveux, parce qu'une fois, il y en avait un, il avait coupé les cheveux au bikinit. Et ben, il a eu un avertissement. Hein. Et déconnez pas, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es comme... Tiens, un autre exemple. L'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. Bon, en clair, je bulais un carrefour. Bon. J'étais là depuis un bon quart d'heure, je foutais rien. Vous savez, quand on fout rien, quand... enfin, vous vous rendez pas compte parce que vous faites des vrais boulots, mais nous, quand on fait rien, on n'y pense même pas, quoi. Alors, j'étais là, je foutais rien, et je vois un mec qui s'amène avec un petit papier. Je sentais qu'il allait me demander un renseignement, mais on aurait dit qu'il osait pas, qu'il avait peur. Toi, genre de mec louche, un peu, toi. Basané. Hein? Ah oui, parce que nous, on nous apprend à connaître les mecs louches, hein. On fait des stages avec les chiens et tout. Si vous voulez, celui-là était pas franchement louche, mais était franchement basané. Hein. Alors moi, je l'avais vu, le mec, mais je faisais mine que rien. Tiens, je vais vous le faire. Je le fais bien, hein. Ah non, mais je m'entraîne. Alors, le type, il était là, il tournait, puis je sentais qu'il osait pas. Le genre de mec patibulaire, tu vois, mes frères. Alors finalement, attends, parce que c'est au fond de la gueule. Alors, finalement, le mec, il s'amène. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, excusez-moi, le commissariat de police. Parce que j'ai perdu mes papiers d'identité. Excusez-moi, je voudrais faire une déclaration. Excusez-moi. Oui, vous avez vos papiers? Il les avait pas, les gens.